Salut Pierre Manu, contente de savoir que tu vas mieux. Ce matin, j'ouvre les rideaux et regarde ce que je trouve. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne m'a pas découragée de sortir à la recherche d'autres animaux. Bon, on va pas se mentir, hein. À Paris, ça court pas les rues. Bon, alors je sors de chez moi et je tombe nez à nez avec ce bonhomme. Il avait marché au milieu des feuilles, descendu l'escalier pour rentrer chez lui, et il avait laissé son parapluie sur le banc. Et là, bah, moi, je me mets à courir après lui pour lui rendre son parapluie. Je l'appelle, hey, monsieur, monsieur! Mais rien à faire, le gars est trop rapide. Bah, franchement, je l'aurais pas cru. À un moment donné, je crois trouver sa trace, mais non. Personne. Et paf, d'un coup, c'est la nuit. Putain d'hiver. Et en plus, il se met à pleuvoir. Bon, ça tombe bien, j'ai le parapluie. Mais je ne reconnais plus les rues. Pour la troisième fois, je repasse devant le même bâtiment. Je suis complètement trempée. Parce qu'en plus de la pluie, un vent de dingue s'est levé. Et là, ça y est, je le vois. Il est au bout de la rue, je me remets à courir, mais trop tard. Il a déjà disparu. Bon, je dégouline et je suis complètement perdue. Alors, on va d'abord s'essorer un petit coup, se taper une petite sieste tout en marchant, hein, parce que je vais quand même finir par arriver. Et enfin, ça y est, je sais que je suis sur la bonne route, Paris. Enfin, j'arrive. Bon, je ne sais plus si on est hier soir, ce matin ou cette nuit, mais voilà, j'arrive. J'arrive, enfin, chez moi. Je bois un thé et m'enfile un paquet de petits gâteaux. Un dimanche, quoi. Allez, moi je vais me coucher maintenant. Gros bisous et à demain.